Yo les gars, c'est moi qui avais ici. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo pour vous aider à faire monter vos petites chaînes. C'est une nouvelle série que j'ai inventée et je n'ai pas voulu attendre demain pour faire cette vidéo et je commence maintenant. Alors c'est aujourd'hui, on va commencer avec un petit sujet. Comme moi je n'ai pas encore atteint le stade des 1000 abonnés, donc je ne veux pas encore faire des vidéos sur comment avoir les 1000 abonnés, mais plutôt une vidéo sur comment avoir les 100 premiers abonnés. Alors pourquoi je vais vous parler des 100 premiers abonnés? Pourquoi j'ai commencé maintenant? Alors déjà de 1, les 100 abonnés c'est un stade que tout le monde va avoir. Si vous avez des extensions qui vous permettent de voir le nombre d'abonnés des gens, vous remarquez que la plupart des youtubeurs n'ont pas plus de 100 abonnés, c'est à dire plus précisément environ 10% des gens qui ont un compte YouTube n'ont pas plus de 10 abonnés sur n'ont pas plus de 100 abonnés, excusez-moi. Et c'est pourquoi la plupart des gens veulent atteindre ce stade, mais c'est extrêmement dur parce que comment on peut partir de rien à quelque chose? Alors je vais vous expliquer tout de suite. Alors déjà de 1, si vous voulez être youtubeur, faut le savoir déjà de 1, faut commencer à être persistant, faut être quelqu'un de persistant. Parce que vous ne pourrez pas démarrer sur YouTube, il n'y a juste qu'une petite minorité, une toute petite, je vais estimer à 2%, les gens qui commencent et qui sont célèbres directement, ils se font connaître à cause d'une vidéo virale. Donc franchement, vous devez être persistant, faire des vidéos. Je vous conseille environ, grand max, dès que vous commencez YouTube, faites au moins 3 vidéos par semaine. Grand maximum, faites 3 vidéos par semaine. Je pense que c'est largement nécessaire et vous pourrez évoluer au fur et à mesure, faire des vidéos. Bon, il y a deux manières d'évoluer sur YouTube. Il y a les gens qui, plus vous faites de vidéos, plus vous avez de vues et ainsi de suite, ça monte. Maintenant, vous aurez des vues un peu 100 vues par vidéo, 200 vues par vidéo. Moi, je ne les fais pas encore parce que mes abonnés ne sont pas assez persistants. Bon, pas tous, mais en majorité, ils sont assez. Bon, voilà. Où il y a encore le nombre des youtubeurs qui ont une grosse vidéo, une vidéo qui est devenue virale. Par exemple, vous faites une vidéo Vine, tout ça, et vous faites environ 100 000 vues. Maintenant, cette vidéo, grâce à ça, si vous mettez des annotations, n'oubliez pas de vous abonner à la fin de la vidéo, vous ferez une bonne centaine de milliers de vues de tout ça, quoi. Donc, c'est une manière aussi de faire grandir sa chaîne. Alors, la deuxième chose pour atteindre les 100 abonnés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose, un stade qui est complètement incroyable, quelque chose d'incroyable qu'on peut atteindre, n'importe qui peut atteindre, mais il faut déjà commencer à soigner sa chaîne. Il faut que votre chaîne soit hors du commun, il faut que votre chaîne soit plus spéciale que la plupart des autres chaînes. Et pour cela, vous devez arranger, faire en sorte que votre chaîne soit belle aux yeux des autres personnes, que ce soit sur téléphone, ordinateur portable, ordinateur bureautique, il faut vous arranger. Donc, vous pouvez demander à des GFX si vous avez par exemple un ami à l'école. Vous pouvez demander à votre ami à l'école, ouais, si tu peux me faire un petit design pour ma chaîne, juste comme ça au début. Vous n'êtes pas obligé de faire des trucs beaucoup super dingue. Par exemple, Squeezie, c'est design, c'est pas trop poussé, mais pourtant il a des millions de vues, millions d'abonnés, tout ça. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est avoir un design, mais un design assez rentable, un design medium, on va estimer à medium. Comme ça, vous pourrez attirer les gens. Parce que moi, personnellement, il y a quelque chose qui m'énerve. Une personne qui vient et me demande, par exemple, Kevin, si tu peux me faire un peu de pub, s'il te plaît, je vais pas revoir sa chaîne, vous savez ce que je vois? Eh bien, il n'y a rien, rien. Pas de bannière, pas de logo, pas de miniature. Or, les logos, c'est pas quelque chose d'inhumain. N'importe qui pourrait le faire. Une bannière, non, aussi, n'importe qui pourrait le faire. Je compte faire une vidéo de ce genre, je pense l'avoir déjà fait, je sais plus trop. Donc n'importe qui est capable de faire une bannière ou une miniature ou tout ça. Il suffit juste de s'entraîner de temps en temps, de regarder des vidéos, et au fur et à mesure vos bannières, vos miniatures, tout ça vont s'améliorer. Personne, je ne dis pas que faire des miniatures, des bannières dégueulasses, c'est pas bien, mais essayez au moins. Essayez, si vous essayez, les gens verront que vous ayez essayé. Parce que moi, franchement, je trouve ça dégueulasse de laisser juste votre chaîne sans rien du tout, le profil Google avec la petite tête bleue. Hein. Donc franchement, je trouve ça dégueulasse, voilà. Alors les gens se pressent de se dire, pourquoi on va croire un youtubeur de 300 abonnés, comment avoir 100 abonnés, même si c'est plutôt logique. Alors on va dire que moi, j'ai eu mes 300 abonnés, mes 100 abonnés, excusez-moi, en une semaine et je vais vous expliquer, on va continuer notre petite explication. Alors déjà, on va continuer par le sub for sub. Alors ce que je veux parler par les sub for sub, c'est-à-dire les sub points ou les sub exchange. Alors je vais vous expliquer un peu les sub points. Déjà, ce sont des sites là où vous accumulez des points et en échange, vous pourrez gagner des abonnés, des pubs et tout ça. Et les sub exchange, c'est-à-dire les sub for sub et tout ça. Alors ce genre de truc, je suis complètement contre parce que c'est l'une des choses que la plupart des personnes veulent faire pour gagner des abonnés. Franchement, j'ai eu une expérience sur mon ancienne chaîne. Le sub for sub ne vous sert à rien du tout. Mais alors à rien du tout. Franchement, parce que ça ne vous aidera pas du tout. Parce que de 1, vous aurez des abonnés inactifs qui viendront vous s'abonner à votre chaîne parce qu'ils cherchent uniquement à avoir votre abonnement et non
à vouloir être actif parce qu'ils aiment votre contenu. Donc même si ça vous prend du temps, s'il vous plaît, franchement je vais même vous le demander, s'il vous plaît, ne faites pas de sub for sub ou de sub point dans les sites par exemple. Continuez comme je l'ai dit à la première explication, soyez persistant. Ça ne sert à rien du tout de vouloir poster tout. Ça veut dire tout simplement que vous êtes impatient et que vous ne pouvez pas être tout simplement un youtubeur. Parce que être impatient pour pouvoir gagner des abonnés, ça sert à rien du tout. Et maintenant vous vous demanderez, ah si je peux pas faire de si je peux pas me faire de la pub ou faire du sub for sub, comment je vais gagner rapidement des abonnés? Eh bien il y a plusieurs moyens qui sont acceptés par les communautés et qui ne transformeront pas en Kiko, que tout le monde pense que vous êtes des nazes, tout ça quoi. Eh bien c'est ce qu'on appelle les chaînes communautaires. Alors une chaîne communautaire, c'est une chaîne qui est créée principalement pour vous faire de la pub. C'est-à-dire par exemple la Play Comedy Club, qui est une chaîne de GTA 5 vidéos drôles principalement, et d'autres vidéos de jeux vidéo drôles, comédie et tout ça. Si vous passez sur cette Play Comedy Club, vous gagnerez au moins 1000 abonnés en une journée. Alors pour vous faire présenter dans ce genre de chaîne communautaire, vous devez remplir plusieurs critères, d'où la qualité de vos vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne qualité de vidéo, persister, et un jour si vous mettez une de vos meilleures vidéos, bah, une chaîne communautaire, une grande bien sûr, parce qu'elle n'allait pas demander à des chaînes communautaires plus petites que votre chaîne de vous présenter, sinon ça ne vous servira pas trop à grand chose. Donc c'est tout. Donc, ou même vous pouvez aller sur des blogs du genre YouTube pub, et vous pourrez aller faire votre petite pub mais sans pour autant faire des pubs du genre abonnez-vous s'il vous plaît, vous présentez votre chaîne. Il y a des blogs, je vous mets tout dans la description, les blogs que je trouverai, ou encore des groupes de Facebook, YouTube, si ça partage, mais ne faites jamais de sub for sub avec les gens, présentez juste votre chaîne et je pense que ça ira. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près tous les points pour cette vidéo, et je pense que ça pourrait vous aider à avoir vos 100 abonnés pardon, en une semaine, comme moi je l'ai fait environ une semaine et 4 jours ou 3 jours. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et on se dit peace les gars.